Je connais peu de régions en France qui, avec aussi peu d'habitants, ont un tel niveau à la fois de sportifs licenciés, même de sportifs quotidiens, et qui ont un tel niveau de sport de haut niveau. C'est-à-dire que la Bourgogne est une terre sportive. C'est une région, quel que soit son état physique, quel que soit son niveau social, on pratique. Rien ne vous interdit la pratique d'un sport. Et la région a décidé d'accompagner ces sports, qu'ils soient les sports collectifs, les sports individuels, le handisport. Et nous l'avons fait en multipliant par 3 le budget de la Bourgogne. On dispose d'installations très performantes, que ce soit le Crêpes à Dijon, que je connais particulièrement bien, ou d'autres installations. Je crois qu'aujourd'hui, la Ligue de Bourgogne et la région Bourgogne sont vraiment vraiment une région de sport, tout simplement. Bourgogne est une petite région, très vaste en territoire, mais assez peu peuplée. C'est peut-être ce qui fait son attrait, parce qu'il y a beaucoup de nature sur laquelle on peut faire du sport et sport de nature. Mais c'est aussi beaucoup de gens qui se connaissent. Et il y a un véritable esprit d'équipe en Bourgogne et esprit d'équipe sportif. Et ça, c'est fondamental. Donnons des moyens informatiques pour les clubs les plus petits. On soutient les projets des clubs de par les parcours éco-pagayeurs, puisque donc le conseiller régional va aussi dans l'optique de l'environnement. On est la seule région en France où une personne non valide, physiquement ou mentalement, ne paye pas sa double licence pour pratiquer un sport. C'est le conseiller régional qui paye. Nous essayons d'investir massivement dans le sport féminin pour corriger un déséquilibre qui existe. Alors, la région Bourgogne aide beaucoup le sport féminin grâce à Safi Otokoré qui est présente à nos côtés. En tant que président, elle est tout le temps à nos côtés, elle nous aide énormément, elle nous donne de grands conseils. En tant que bénévole et en tant que présidente, je gère le club. Disons que je suis la représentante du club. C'est moi qui ai le rôle de diriger avec l'aide des autres bénévoles, prendre des décisions, être représentative du club. C'est être présente dans les compétitions, c'est être présente dans les réunions. Rien ne remplace. S'il n'y a pas un bénévole, on n'a pas d'excellence. Je trouve qu'on a, dans le sport individuel comme dans le sport collectif, beaucoup d'ambassadeurs aujourd'hui de la région Bourgogne. Et que je trouve qu'il y a un engouement aussi derrière. Alors pour être sportif de niveau, il faut à la base du talent, il faut beaucoup d'abnégation et vraiment avoir confiance en ce qu'on fait et ne pas renoncer. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui a des exigences du haut niveau, c'est-à-dire mettre tout en place les entraînements,
les capacités mentales, les capacités physiques, tout mettre en place pour pouvoir arriver au sommet. Alors, entraîneur aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose dans le terme entraîneur. On a une responsabilité technique quant à la structuration de la formation dans les clubs, l'orientation technique des équipes de jeunes et des équipes professionnelles. Il faut être pédago, il faut être formateur, il faut aimer emmener les jeunes à haut niveau. Gestionnaire aussi des joueurs stars. Pour être arbitre, il faut avoir du courage. C'est pas simple de prendre des décisions à tous les niveaux, que ce soit dans nos départements, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau fédéral. Être arbitre, c'est avant tout faire preuve de courage et faire preuve de responsabilité. Une des régions à avoir dans chaque sport une équipe, chaque sport collectif, une équipe quasiment dans les meilleures divisions. En sport individuel, avoir des sportifs qui vont, beaucoup de sportifs qui vont au jeu. C'est plutôt une espérance, c'est dire que nos sportifs qui représenteront la France, sportifs bourguignons, soient sur les podiums. On est une région où il y a du vin, une région donc forcément où il y a beaucoup de gastronomie aussi. J'apprécie la bonne table, j'apprécie le bon vin, donc ce sont autant d'éléments qui me permettent de me sentir très bien ici. On est aujourd'hui, pour moi, certainement le plus beau pays au monde, avec des paysages totalement différents, avec certaines régions avec beaucoup de caractère. La Bourgogne en fait partie, donc ça vaut le détour. S'il veut découvrir un coin de France qui mêle le sport, qui mêle la gastronomie, qui mêle les facilités de transport, qui mêle tout simplement la joie de vivre et un environnement ultra sympa, mais qui viennent le matin se promener dans nos vignes et l'après-midi courir sur nos terrains. La région Bourgogne est une région qui se voit, qui s'admire, qui se boit et elle se pratique. Et c'est une région qui a comme slogan qu'un étranger est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. Le sport, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde et donc avec ces conditions-là, il n'y a pas une minute à hésiter, il faut rester en Bourgogne.